Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Web Girondin TV, sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter, sur... On va débriefer ensemble cette c'est du direct, hein. Je sais, mais j'avais envie de faire n'importe quoi. C'est de débriefer ensemble cette victoire des Girondins sur le score de 1 à 0 grâce à Josh Maja qui a sorti les Girondins du Bourbier Nîmois. Je vous présente l'équipe autour du micro. Alex qui est là. Salut Alex. Salut à tous et salut à tous les sociaux et aux supporters Girondins. Le journaliste Monsieur Mathis Planès qui est là. Salut Mathis. Salut tout le monde. Ça va ? Ça va très bien, match un peu éprouvant quand même. Failli m'endormir et puis après j'ai quand même bien crié sur le but de Maja. Une petite délivrance, mais on a le temps d'en parler. Monsieur Patrick Gomez qui est là. Salut Patrick. Salut à tous, j'espère qu'on va être plus efficace dans notre débrief que nos Girondins ce soir. Et Baroudi qui est là. Salut Baroudi. Première faute de micro. T'as pas remis ton micro. Ah, je te le remets. Vas-y. C'est bon. Salut. Ouais. Salut, en tant que gardois d'origine et d'habitation, je peux vous dire que ce soir, je souffle, et malgré tout. Vous avez fait souffrir les gardois. Ouais. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on souffle. Et tout de suite, on ne perd pas de temps. Il y a Kevin qui était au stade, qui est socio, que vous connaissez. On va le prendre tout de suite en direct. Salut Kevin. Salut l'équipe, salut les sociaux, salut les viewers. J'espère que vous allez bien ce soir. Eh bien, ça va, et toi, on t'écoute alors? Tu sors du stade, quelle est ton impression? Bah, vous voyez, je suis encore au stade. Hein. L'impression, match plutôt mitigé, on ne va pas se mentir, sur l'ensemble. Une bonne première partie de première mi-temps, le premier tronçon était assez intéressant. Et puis après, on n'a pas vu grand-chose de fou. Par contre, au niveau de l'ambiance, il y a plusieurs points qui sont à souligner, puisque j'étais avec les ultras, forcément. Déjà, dans un premier temps, il y a eu pas mal de rappels faits sur le fait qu'il fallait venir supporter l'équipe et qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu en touriste dans le virage, donc il y a eu ce premier message-là. Et au niveau des joueurs, on a eu deux moments assez clés. C'est Franck Sergio qui forcément n'a pas été accueilli comme il se doit par le public. Et surtout Clément Michelin à sa rentrée qui a été copieusement sifflé. Je trouvais ça un peu dur quand même. Donc voilà, dans l'idée, je pense qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et par contre, Gaëtan est venu célébrer tout seul quasiment devant les ultras. Donc, on va dire que l'ambiance était un petit peu âpre ici ce soir, même si le virage a chanté, c'était bizarre. D'accord, ben merci. C'est vrai qu'on a eu quelques échos pendant le match. Écoute, c'est toujours intéressant d'avoir les impressions de ceux qui sont au stade, hein, puisque aller au stade, et on le redit, il faut aller au stade, encourager cette équipe si vous le pouvez. C'était tendu, tu y croyais, Kevin? Je te garde encore deux minutes, je te pose deux, trois questions. Ouais. Tu y as cru jusqu'au bout? Tu t'es dit, on va pas le faire? C'était quoi ton sentiment dans ce match? Globalement, je t'avoue que j'ai douté. Surtout que je suivais en direct les autres résultats et j'ai vu Metz rapidement prendre l'avantage sur leur match. Donc potentiellement, on se retrouvait troisième à un moment donné de cette soirée. Et sur le terrain, je ne voyais pas les joueurs forcément avoir une clé. Et je pense que les entrants ont fait beaucoup de bien. J'écouterai votre débrief sur les entrants, mais j'ai trouvé Alexis Pitou de ma fenêtre très très intéressant, avec des belles passes. Encore une fois, on manque d'efficacité devant le but, c'est ce que je retiendrai. Zurico en première, Delaurier Chaubet en deuxième. Mais voilà, le but, il est un peu salvateur, un petit peu un but à l'arrache de là où je suis, j'ai l'impression. Donc voilà, dans l'idée, heureusement qu'on prend ces trois points mathématiquement, mais je pense que vous allez avoir du boulot dans le débrief joueur par joueur. Ouais, bah écoute Kevin, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, mais je vais vous laisser débriefer, puis je reprendrai. Merci à toi, et on peut te suivre sur Twitter, Girondin React, pour ceux qui ont Twitter, voilà, qu'ils aillent te suivre. Voilà. Ciao les gars, bonne soirée. Salut Kevin, ciao. Ciao Kevin. Salut, ciao. Merci beaucoup d'avoir réagi. Messieurs, c'est intéressant hein, comme ça d'avoir une réaction à chaud hein, de quelqu'un qui est au stade sur l'ambiance. C'est très tendu, hein, c'est tendu parce qu'on est supporters tendus, les joueurs sont tendus. Alors, je vous donne chacun à votre tour, comme d'habitude, le micro pour vos impressions. Mais avant ça, je veux quand même afficher le classement pour tous ceux qui nous rejoignent parce que c'est important de montrer qu'il fallait que Bordeaux gagne. Sochaux a gagné 1-0, Metz a gagné 2-1. Donc, ça veut dire si on avait fait match nul, on était quatrième. Si on avait fait match nul, on aurait 48 points. On aurait, si je dis pas de bêtises, hein, on aurait 48 points et on aurait été à égalité avec Metz. Et Metz, à la différence de but, aurait été devant nous. On était quatrième. Donc, aujourd'hui. Une, oui.
Une victoire à la Havraise. Ouais, exactement. C'est vrai que j'ai regardé, moi, la fin du... Mais tu as raison. Et ça fait plaisir de gagner parce qu'on est encore en vie, quoi. Tu vois, on est toujours là. On est passé, on résiste. Et partir. Avec le succès et avec la position de leader, je pense que les autres équipes doivent se dire, putain, Bordeaux, ils ont encore gagné, quoi. Tu vois. Et ça, c'est plutôt sûr. Bon. Même si on va faire peut-être la fine bouche en analysant ce match, en le décortiquant, parce que c'est ce qu'on fait et ce qu'on aime faire, et vous allez donner vos avis, on peut dire qu'on est toujours devant et que même si les autres ils nous chassent, on tient la barre et quand il faut gagner, on gagne de rien, même si tout n'a pas été clair. Allez, messieurs, moi j'ai assez parlé. Mathis, on t'écoute. Qu'est-ce que tu retiens de ce match à chaud, premier tour de micro? À chaud, rapidement, je dirais que déjà, j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir assisté à un match entre un second et l'avant-dernier, que ce soit, autant pour dire que les Girondins, je les ai pas trouvés encore, surtout en première période, très lucides, soit techniquement, même parfois, j'ai vu, en première période, Bakoum m'a fait pas mal grincer des dents sur son manque de lucidité dans les passes offensives, je trouvais, même si ça jouait devant, ce qui était déjà une bonne chose. Et puis pareil, j'ai trouvé un Nîmes quand même assez intéressant quand ils étaient solides en défense avec un très bon gardien. Et puis dès qu'ils ont commencé à jouer en reculant, je trouve, et à gagner du temps en fait dès la 80e et à jouer en arrière, c'est là qu'ils se font punir et qu'ils prennent le but dommage un peu raccro. Donc c'est dommage pour eux, mais tant mieux pour nous. Quoi d'autre? Très bonne entrée de Pitou, très agressif, qui vient délivrer un bon ballon pour Maja, qui après s'en sort comme il peut. Et puis, ce que je retiens quand même aussi, c'est qu'il faut arrêter les victoires 1-0, parce qu'on l'a vu pendant le match, Metz, à un moment, passe devant nous à la différence de but pendant 10 minutes. Et en fait, n'importe qui est au même stade de points que nous, passe devant nous. Mais sauf qu'on a trois équipes en dessous de nous qui sont à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et il faut à un moment réussir à aller mettre plus de buts que ça, surtout quand on a les occasions avec Delory Chaubet ou Badji qui partent seul au but. C'est encore une victoire par un but d'écart. Écoute, merci Mathis. Monsieur Gomez. Le Gomésien, voilà, il est là, le courant ouais. Gomésien. Ah ouais, il aurait pu ne pas être là s'il ne s'était pas endormi devant le match quand même. qu'est-ce que j'ai vu Michel. T'avais le but quand même. Ah oui, non, mais j'ai tout vu, hein, mais franchement, je me suis fait chier quand même, notamment en première mi-temps. C'était un peu mieux en deuxième, mais comme l'a dit Michel, il en faut peu pour. Il faut se contenter de peu, donc ouais, c'est ça, il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Pour la ref. Merci. Ça, c'est la journée et les enfants, ça m'a tué, quoi. Non, mais je sais pas quoi dire à part qu'on est content d'avoir pris 3 points. Mais le contenu est toujours aussi inquiétant. On va sûrement en parler, mais je sais pas où on va. On navigue à vue. Aujourd'hui, au moins, on a vu du coaching. Et il s'est avéré que ça a été payant puisque nos entrants ont fait des différences et ont permis de marquer ce but. Donc, comme quoi, on ne dit pas que des bêtises depuis plusieurs mois. Mais voilà, je suis encore très, très déçu de la prestation et je me dis que ça ne passera pas à chaque fois, qu'on ne jouera pas à chaque fois le 19e. Et dès la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus dur. Donc, il va falloir quand même montrer autre chose. Et j'ai l'impression qu'on est au taquet, quoi. On avait toujours l'impression qu'il y avait une marge de progression. Et elle n'existe plus, donc je suis assez inquiet pour la suite du championnat. Merci Patrick. Quentin qui nous dit, des fois, il faut juste savoir gagner, soyons positifs, ces 3 points, c'est important. Oui, c'est ce qu'on a dit au début de l'émission, hein. Ces 3 points sont ultra importants, et ils ont su gagner, et ils l'ont fait, quelle que soit la manière. Alex, du côté de Saint-Jean-d'Illac. C'est ça. On t'écoute, écoute, qu'est-ce que tu retiens? Moi, tout d'abord, soulagé parce que c'était dur, mais que c'était dur, et aussi bien pour tout le stade que pour tous les supporters qui étaient dans leur écran. Je pense qu'on a tous souffert ce soir. Moi, j'étais déjà vraiment surpris en fait de la première mi-temps, notamment ces deux fameuses lignes qu'on a tout de suite retrouvées entre la ligne de défense et la ligne d'attaque. On a joué quasiment pendant une heure à 5 devant. Et ben voilà, la première mi-temps, ça a été ça, toute la première mi-temps. On a balancé des bûches tout le match, enfin toute la première mi-temps. Moi, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps. Qu'est-ce que tu veux dire, des bûches? Ça veut dire quoi? Des longs ballons devant pour chercher un peu de profondeur, mais pour éviter de passer par ce milieu de terrain qu'on n'avait pas finalement, parce qu'à part Manga, Franck Sergio, un coup on le retrouvait en 5, un coup on le retrouvait en 10. Il était sur toute cette verticalité-là. Et Franck Sergio, sa grande spécialité quand même, c'est
Alors attends, là on me voit pas parce que je suis pas en grand. Mais ça, alors Ouais, attends, mais c'est je suis ça. désolé, mais c'est comme ça. Ouais. T'as 20 minutes de jeu comme ça. Ah ouais. Calmez les gars, calmez. Non, Ah c'est ben pas quand ça va trop possible. vite pour lui, hein. Bon, Ben vas-y, c'est je te ça. relaisse la Non, parole. non, c'est pas grave, t'inquiète. Et non, mais très déçu de la première mi-temps, ouais, comme Patrick. Moi, je me suis fait chier toute la première mi-temps, même la première quart d'heure de la deuxième mi-temps, même si j'ai senti un peu de mieux dans la rentrée de la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que il y avait rien d'entreprenant dans le jeu, quoi. Il y avait aucune emprise sur le jeu. Ils ont pas arrêté de buter. Et c'est vrai que je reviens un peu sur Patrick. C'est le coaching a été payant ce soir. On a beaucoup décrié Guillon pour sa non-gestion des matchs, mais là, en l'occurrence, ça a fait du bien. On a bien vu surtout que eh bien, le peu de joueurs créatifs qu'on a sur le banc, une fois que tu les mets sur le terrain, tout de suite, ça va mieux. Alors, je fais référence notamment à Pitou. Il a fait pour moi une très bonne rentrée, même si on voit que physiquement, il est quand même un petit peu la peine encore. Mais ça fait rien. Moi, je préfère nettement voir un joueur qui soit dans le dur physiquement, mais de par son intelligence de jeu, dans ses déplacements, dans sa petite passe qu'il va pouvoir faire dans les intervalles. Moi, je trouve ça nettement plus intéressant que les deux ballons que nous a fait Franck Sergio, même s'il n'a pas fait un mauvais match non plus. Hein, on va pas lui taper dessus tous les débriefs. Hein. Mais voilà, c'est vrai que les entrants, même Delorio Chobé, il a fait une entrée en demi-teinte, mais bon, un manque de lucidité, il a pas levé la tête, notamment sur son tir qu'il a raté, où Badji se retrouve tout seul dans l'axe. S'il le voit, il y a but, quoi. Mais bon, voilà, après, c'est moi sur la globalité du match, j'ai pas du tout été emballé. Je me suis fait chier aussi pendant 1 heure. Un peu plus d'entrain sur les 30 dernières minutes, mais que c'était dur. J'ai souffert encore. J'ai encore souffert. Eh bien, merci Alex. Je salue Gabriel Blondel. Je crois qu'il est socio, Gabriel, et je l'avais invité. Je cherchais à l'inviter à un talk. Je ne sais pas si c'est toi, Gabriel, de Caviar, là, du magazine Caviar. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux passer ce magazine, un magazine football fantastique. Je ne sais pas si c'est toi, Gabriel. Contacte-moi. Je voulais t'inviter sur un talk. Donc voilà, ils sont dans les bouchons et on salue tous ceux qui sont dans les bouchons et qui nous regardent, et même ceux qui nous regardent en replay. Baroudi, du côté du Gard, t'habites où, Baroudi, exactement? À Nîmes même? Non, j'habite à Beauvais, dans la ville de René Girard. Ah, très bien. Juste à côté. Je suis à 10 km de Nîmes. Et Nîmes est mon deuxième club, hein. Je suis un grand, grand supporter des Girondins depuis que je suis petit. Mais D'accord. Nîmes reste mon deuxième club. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de. Excusez-moi, mais il n'y avait pas de pitié, hein. C'était 3 points obligatoires et Dieu sait qu'ils sont hyper importants. Moi, qu'est-ce que je retiens du match? Moi, j'ai l'impression que Bordeaux se met au niveau des équipes qu'ils rencontrent, en fait. Parce que chaque semaine, on fait des débats sur, ouais, ils sont pas au niveau. Moi, je pense pas qu'il faut qu'on soit aussi dur. La semaine dernière, à Sochaux, on n'a pas été mauvais. On s'est mis au niveau de l'équipe de Sochaux qu'on avait en face. Là, c'est Nîmes. Ben, Nîmes avant-dernier, voilà, ils nous attendaient. On s'attendait pas à plus, hein, donc, on marque à un quart d'heure de la fin. J'ai envie de vous dire, mais quand on regarde la Ligue 2, Grenoble, enfin, Sochaux, ben, Grenoble, dans les 3 dernières minutes, Le Havre n'arrive plus à gagner, ou patine. J'ai l'impression que plus on avance dans cette Ligue 2 et plus ça devient compliqué pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est pas terrible, c'est pas beau. Moi, ce que je retiens, c'est pour une fois la réaction très tôt de David Guillon en faisant rentrer Badi et en sortant la coupe que j'ai trouvé mais vraiment mauvais ce soir. Junior Mwanga, je l'ai trouvé par contre au-dessus du lot comme d'habitude. Une défense et on l'a pas souligné, mais clean sheet, les gars. Ce soir, clean sheet. Eh oui, ça Ça faisait un faisait petit moi. moment. Je l'avais annoncé le lundi. Je l'avais annoncé lundi. Et moi, honnêtement, alors oui, on pense au goal à Verratti, c'est vrai qu'on aurait pu marquer ce deuxième but si Delorier Chauvet avait juste levé la tête sur Badi et ça aurait peut-être un peu assuré un goal à Verratti plus confortable, entre guillemets. Mais moi, ces 3 points, je les prends. Hein. Ils sont les bienvenus. Ça va être très compliqué. Il va rester 10 matchs. Ça va être 10 combats. On en a gagné un. Si on regarde sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 nuls, un bilan à 11 points. Bon, ben voilà, on est dans la target, hein, donc il faut pas s'enflammer. Je pense qu'il faut qu'on reste concentré. Il y a des victoires qui seront difficiles. Et nous, Dieu sait qu'on n'a pas de, on n'a pas de marge, on le sait. Mais par contre, je suis persuadé que, ben, à Metz, on sera présent et on sera au niveau de Metz. Voilà, je suis pas inquiet. Bordeaux, cette année, c'est ça. On se met au niveau de l'équipe qu'on a en face. Eh bien ça, je trouve que c'est un très bon sujet. Alors, soit pour débattre dans le talk, mais on peut le faire maintenant, puisque tu le lances maintenant. Mais je trouve que c'est exactement ça, ce que tu viens de dire. Bordeaux se met au niveau de l'équipe qu'elle rencontre. Qui c'est qui veut réagir là-dessus? Mathis, peut-être?
Oui, pas qu'il a raison quand il dit ça. Je trouve qu'il a raison, et puis surtout, j'ai tiqué un peu quand tu disais à juste titre que c'était difficile pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est encore plus frustrant parce que quand on voit Le Havre qui était si loin de nous, qui enchaîne par exemple, qu'on se disait bon, ils seront premiers à nous de jouer à deuxième place. Enfin, bon, en tout cas, je me disais ça un moment, et puis qu'on les voit à un moment faire nul, et nous faire pareil alors qu'on a l'occasion d'aller grappiller des points pour se mettre à l'abri et les rattraper, c'est vrai que c'est frustrant. Après, effectivement, on se met au niveau, mais à chaque fois, moi-même contre Sochaux ou Saint-Etienne, je me dis, on se met au niveau, mais si on jouait avec tout ce qu'on peut, enfin en tout cas tout ce que j'ai l'impression de voir dans cette équipe-là en termes de potentiel, ben, on pourrait être encore au-dessus. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils jouent peut-être pas au maximum, pas toujours à 100%, et ça reste assez frustrant même contre les gros. Qui veut réagir là-dessus, Patrick, sur le fait, moi je trouve que c'est très juste, on se met toujours au niveau de l'adversaire et on arrive... souvent à gagner, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas perdu maintenant. Alors oui et non, pour moi, on se met toujours au niveau de l'adversaire plus faible que nous, en fait. Contre Le Havre, j'ai pas trouvé qu'on avait fait un match du niveau de leader contre second, par exemple. Les deux matchs contre Le Havre. Celui de la semaine dernière contre Sochaux, je l'ai pas vu, donc je vais m'abstenir de parler de ça. Mais j'ai pas trouvé aujourd'hui. Metz, on avait eu des circonstances assez favorables contre eux. Enfin, je trouve qu'on se nivelle toujours vers le bas, mais jamais vers le haut. Et on s'en sort par nos individualités. On a quelques joueurs qui ne devraient pas être en Ligue 2, qui permettent de s'en sortir. Mais collectivement, en fait, on est supérieur à aucune équipe. Et on l'a vu ce soir. Nîmes, 19e, collectivement, on ne les a jamais mis à la ramasse. On les a mis en difficulté individuellement, par Pitou quand il est rentré, par David Ashvili un petit peu en première mi-temps. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que c'est le nivellement par le bas que l'on a. Et ça, c'est, on l'a déjà dit, mais c'est plutôt une caractéristique de suffisance quand tu es comme ça. C'est que tu es tellement confiant, tu penses que tu vas rouler sur tout le monde en Ligue 2, en Ligue 1, mais ça passe quand même très, très rarement, quoi. Ça passe pour le Real ou le Barça quand ils jouent une cinquième division, mais ça ne passe pas à un autre niveau. Donc, moi, je suis assez inquiet par ça. Patrick, est-ce que... moi, je me suis amusé à lire l'article de Clément Carpentier, et je trouve qu'il a raison. Est-ce que l'équipe n'est pas au niveau de son entraîneur, même dans le discours? C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des conférences de presse, Guillaume, on a l'impression qu'il joue le Real de Madrid en face. Et il a raison. Il a raison. Alors, à Nîmes, à tel joueur. La semaine dernière, à Sochaux, ils ont tel joueur. Enfin, ouais, mais on est les Girondins de Bordeaux. Et je pense que l'équipe est dans sa mentalité, en fait. Donc, oui, il y a une suffisance parce que c'est psychologique, mais j'ai jamais vu non plus Bordeaux depuis, je crois, on est à la 27e journée, j'ai jamais vu Bordeaux non plus se faire rouler dessus, même contre Le Havre. Le Havre, je suis désolé, Le Havre, on égalise quand même en début de seconde mi-temps, on est sur une spirale positive, on domine et on prend un but d'une frappe venue d'ailleurs à 10 minutes de la fin. Donc, on va pas redébriefer ce qui s'est passé contre Le Havre, le mal est fait. C'était pas un beau match. Mais, c'était pas un très. Voilà, mais oui, mais Le Havre ne nous a pas dominé non plus. Tout à fait. Non, donc, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, et puis regardez, Metz a galéré lundi contre Le Havre. Enfin, je veux dire, il y a pas d'équipe dans cette Ligue 2 qui clairement se démarque. C'est ce qui est. Et je trouve que. Match voilà. Nul, Metz contre Le Havre. Match nul. Non. Oui, voilà, mais ils ont eu du mal, ils n'ont pas gagné, quoi. Donc, et c'est vrai que ben, moi, ce genre de victoire, c'est vrai que c'est pas beau. Le goal average, il est peut-être pas bon, mais voilà, mais psychologiquement, on est là, on écarte quand même Grenoble. Alors, il faut se dire, si on fait le résumé comptable, aujourd'hui, on a Bastia qui est encore là, qui a été gagné au Paris FC, et on a Sochaux qui gagne à 3 minutes de la fin, et Metz, voilà. Mais ben, ça va jouer entre nous quatre. Ah bah malheureusement, tu vois, je pense que c'est sur les dernières journées, tout peut se jouer là, en fait. C'est que je comprends votre réflexion qu'on est tout, on se met tout au niveau de toutes les équipes, mais il y a des matchs où ça passera pas, où on va se faire surprendre, et c'est là où ça va nous coûter cher, en fait. C'est qu'aujourd'hui les points sont tellement précieux. Mais les autres aussi. Ah oui, mais c'est certain, les autres aussi. Mais aujourd'hui, on n'a pas un goal average qui nous est favorable. C'est-à-dire que si on se joue tous à un point où on est tous au même niveau de points à la 38e journée, eh bien, on sera derrière la roue, enfin, on sera la dernière roue du carrosse, quoi. Et c'est ouais, ça, mais aujourd'hui, c'est ce qui risque de nous faire défaut. Si tu gagnes tous tes matchs, t'es deuxième. Hein. Bon, faut tous les gagner. Ouais. Mais ouais, mais moi je mets ça un petit peu sur le coup. Enfin, moi je les ai trouvés ce soir. Alors déjà un peu dans le dur physiquement, déjà un peu tout le match, un peu emprunté.
Et c'est vrai que ben, quand je regarde ben, le résultat des autres équipes, c'est certain que on se vaut tous. Il y a vraiment qu'au niveau des individualités, mais dans le collectif, toutes les équipes, enfin pour moi, hein, disons beaucoup d'équipes nous sont supérieures aujourd'hui, collectivement parlant. Et malheureusement, enfin moi je trouve, hein, c'est mon point de vue, hein, mais arriver à cinq journées de la fin, ça risque de nous faire vraiment défaut. Ce genre de petits détails, on risque de le payer cher. Je vois passer tous vos messages hein, sur le chat. Je vous remercie d'ailleurs. J'essaie d'en afficher le maximum. Il y en a des très intéressants. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur l'individuel, beaucoup qui soulignent le résultat. En fait, tous les avis, messieurs, que vous avez exprimés, ils sont partagés plus ou moins par les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on rentre un petit peu dans le cœur de ce match avec David Guillon qui aligne un 4-3-3, qui ne met pas Badji sur le banc. Et on a vraiment plus d'une mi-temps où on joue, c'est très difficile, il n'y a pas de jeu. Moi, je ne pense pas que ce soit le physique. On a l'impression qu'on n'arrivait pas à accélérer, à mettre d'intensité. Comment on peut l'expliquer, Mathis? Tu as dit, toi, au début, tu n'avais pas l'impression, dans ton premier tour de micro, que Bordeaux jouait la montée. Je crois que c'est ça que tu as dit. J'ai pas L'équipe qui l'impression jouait la d'avoir vu un montée. deuxième, ouais. Un deuxième Ouais. contre. Moi, déjà, c'est vrai qu'en première mi-temps, à part, je crois, entre la 15e et la 20e, 25e, c'est-à-dire 10 minutes sur 45, où on enchaîne 2-3 occasions consécutives avec plusieurs frappes, où ça chauffe un peu dans la surface nîmoise, bah, il se passe pas grand-chose. Nîmes est très solide et nous prend trop facilement en contre-attaque. Honnêtement, moi, ça m'étonnait. Alors, ça va pas jusqu'au bout, mais il y a quand même des ballons qui fusent dans l'autre surface du poteau de corner jusqu'au point de pénalty, avec trois joueurs qui regardent le ballon passer parce qu'ils défendent en reculant, donc c'est pas facile. Bon, ça passe pas, tant mieux. Mais effectivement, c'était assez surprenant. Et puis ouais, effectivement, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que la sortie de Tom Lacou a fait du bien parce que il pressait assez haut, j'ai trouvé les Nîmois. Et Tom Lacou, je trouve qu'il a une capacité à s'enfermer, en fait, mine de rien, quand même, quand il est mis sous pression assez forte. Et franchement, il m'a fait peur. Et forcément, comme il se retourne et qu'il était pressé haut, eh bien, ça allait moins vers l'avant aussi, peut-être. Donc, ça peut être peut-être une des explications. Après, effectivement, il y avait un manque d'envie, peu d'appels, peu de mouvements. Et quand on cherche à relancer de la défense et que nos premiers pardon, relanceurs sont les défenseurs, s'il n'y a pas de mouvement devant, ben, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Ouais, il n'y a pas d'intensité, quoi. T'as pas Et pas d'intensité. Alors entreprenant, là, quoi. ouais, pas entreprenant, mais il y avait quand même un manque d'intensité. Avec Patrick, on échangeait pendant le match. On se disait, mais c'est mou, quoi. Il y avait Joe qui était au stade, il nous disait, il envoyait des messages, il disait, il n'y a pas d'intensité dans le jeu. Il n'y avait pas d'intensité dans les actions. Alors peut-être que tactiquement, c'était en place, mais il n'y avait rien, quoi. Je ne sais pas si vous partagez ça, le manque d'intensité. Je ne sais pas si c'est Ouais, dû à la totalement. fatigue. Moi, je n'ai pas senti de fatigue. J'ai senti un Je me manque suis. d'envie. Et Ouais, un moi manque de aussi. détermination, plus qu'un manque de fatigue. Je ne sais Ouais, pas puis ce que vous en techniquement pensez. aussi, on était juste, quoi. Ouais. Pas, enfin, dans les transitions, à chaque fois, tu faisais une passe, jamais l'arrivée dans les pieds, quoi. Enfin, tu vois, on perdait un nombre considérable de ballons, quoi. Même sur les coups de C'est pied arrêtés, les impressionnant. corners, le premier corner, enfin, je crois qu'à part à la fin où il y a Barbé qui arrive à se placer un petit peu, mais qui met au-dessus ou à côté, le premier corner, les premières occasions qu'on a où on peut exister, sur coup de pied arrêté, on ne fait rien, quoi. On les tire mal, on les joue mal. On a eu besoin de temps pour régler. La mire, et encore, je suis même pas sûr qu'à la fin du match, on a réussi vraiment à la régler, quoi. Finalement, c'est ces changements et l'entrée de Pitou est conjuguée à celle de Delorier-Chaubet qui change le match. Et la mise en place de Badji, puisqu'il sort un milieu pour faire entrer un attaquant supplémentaire, et il met des joueurs frais. Pitou et Delorier-Chaubet, à l'exception, à la différence de David Tachvili et Bakoua, Patrick, ce sont des joueurs qui jouent peu souvent, qu'on peut jouer et qui ont un peu plus de fraîcheur mentale, hein, Ouais. je parle, ou même dans le jeu, et peut-être même physique. Mais je pense que là, c'était même si tu l'avais fait, si tu avais fait rentrer d'autres joueurs, pour moi, c'est plus le changement de tactique. Quand tu joues avec ce 4-3-3, moi, j'ai du mal à comprendre comment il a pondu un 4-3-3 face à Moi Nîmes, aussi, où moi tu aussi. savais ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire que Nguessan devait aller faire du pressing sur Lacou, que Tchokounté allait s'occuper des autres, et qu'on allait fermer les couloirs avec Pagis. Et alors là, tu vois plus qui c'est. Rafiki Saïd, pardon. Saïd. Saïd, donc Saïd. tu savais qu'ils allaient bloquer Bokele, Vital Nsimba de l'autre côté avec des prises à deux, etc. Bah, tu ponds quand même ce 4-3-3. Alors, moi, j'aimerais vraiment savoir ce qu'ils travaillent la semaine. Qu'est-ce qu'ils font pour voir ça? Comment Nîmes a préparé son match. Nîmes avait préparé son match, savait comment il voulait nous attaquer au milieu, etc. Nous, aujourd'hui, je vous pose la question, je termine et je vous laisse me répondre après.
est-ce que quelqu'un est capable de me dire quel était l'objectif, notamment en première mi-temps, de l'équipe tactiquement pour contrer le jeu de Nîmes? C'est affligeant de faire ça. Enfin, il n'y a rien. Non seulement tu ne mets pas l'intensité, mais en plus, tactiquement, tu as l'impression qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ah ben, on n'arrive pas à trouver Nsimba et Bokele sur les côtés. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, continue, on verra bien si ça passe à un moment. Ben non, ça ne passera pas. Je ne sais pas, il y a un moment où tu réfléchis deux secondes et tu te dis que ouais, envoyer Nsimba, Bokele sur des prises à 2, à 3, ouais, à part qu'ils y arrivent. En plus, ils n'étaient même pas lancés, parce que si tu les trouves lancés dans leur dos, mais là, ils ne te laissaient rien. Enfin bon, il l'a expliqué, je crois que c'était Nguessan d'ailleurs, qui se fait interviewer à la mi-temps et qui explique qu'ils ne veulent pas laisser l'espace dans le dos et que quand ils se sont fait avoir une ou deux fois, ils ont été en danger. Et bon, alors il a fallu 50 minutes pour que Guillaume réagisse et se dise « Ok, la coup, il servira à rien aujourd'hui. Bon, » en plus, il était particulièrement mauvais sur ce match. Mais de toute façon, dans ce système-là, je crois qu'il n'aurait pas pu briller, puisque de toute façon, la coup ne sait pas se projeter. Donc du coup, comme tu lui demandes de faire un truc où il est pris, ben, tu ne peux pas en tirer. Et ça aurait été n'importe quel autre joueur, on l'aurait trouvé mauvais à ce poste-là. Sauf si tu as un gars capable de se projeter. Qui veut répondre à Patrick sur les intentions de jeu de Bordeaux sur la première période? Après, si je peux me permettre, on connaît tous David Guillon. La réponse, elle est très simple. David Guillon, c'est la continuité à l'état pur. Voilà. En gros, le week-end dernier, il a considéré que Bordeaux a fait un bon match à Sochaux. Donc, on garde la même équipe. Ouais, et d'ailleurs, il n'y a eu aucun changement. On garde la même équipe. Et puis, voilà, au bonheur de la chance, on va mener rapidement 1-0. Puis, le match va s'ouvrir. Et ça n'a pas été le cas. Et il a réalisé un début de seconde mi-temps qu'il fallait faire du changement. On a quand même vu une équipe. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut. Moi, j'allais te répondre, Patrick, mais peut-être que quelqu'un veut parler, Alex ou Mathis. Ouais, non, moi, je voulais juste appuyer sur un point. C'était effectivement, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ces deux lignes, quoi. Tu avais les trois de derrière et cette ligne de cinq devant. Pour moi, elle était. Il y avait un gros manque au milieu. Justement, je pense que Guillaume l'a tenté pendant 50-55 minutes. Il a vu que ça prenait pas avec cette profondeur, parce que je pense qu'il a voulu, dans sa lecture essayer dans le dos de passer dans le dos de la défense, mais il a vu que ça prenait pas au bout de 50 minutes. Donc, ces deux profils qu'il a sortis, qu'il a rentrés, ont apporté un peu plus de créativité au milieu du terrain, ce qui lui a permis de plus rentrer dans le cœur du jeu, notamment comme l'a fait un petit peu Pitou et Logan par intermittence. C'est ce qui a fait la différence. Dans les 30 dernières minutes, quoi. Mais cette première mi-temps, pour moi, j'ai absolument pas compris cette fameuse ligne d'attaque à 5 où je voyais vraiment Bokele et Nsimba en tant qu'ailier. Ah, c'est ce qu'on voit là. Hein. C'est exactement ça. Regarde sur la carte. Je sais pas si tu vois. Regarde là. Mais c'était ça qu'il voulait faire en fait. C'était. Ça marchait pas pendant 50 minutes, quoi. Tu fais reculer la coup dans ta ligne de centrale. Tu faisais monter Barbé quasiment à gauche là. Tu laissais Gregersen un peu derrière. Bokele était moins offensif, mais on essayait de le trouver énormément sur le côté. Et surtout, tu avais l'objectif de trouver Nsimba. Et qui devait servir le 30, Zurico, Maja et Bakwa, qui sont restés vraiment, qui n'ont pas été des joueurs de côté comme d'habitude, tu vois. Ils ont, à part quand même Bakwa, où on voit qu'il a été quand même un peu de côté, à la différence de Zurico, bon, un petit peu aussi quand même. Mais ils ont joué un peu plus intérieur, donc pour laisser la place aux latéraux. C'était ça finalement l'idée. Mais ça, Patrick, quand il décide un plan de jeu comme ça, c'est un échange avec tout le staff, avec l'analyste vidéo, avec l'adjoint Montero, avec Zanko, ils échangent tous et puis ils décident de partir sur un... Je pense que c'est Guillaume qui a le dernier mot. Et à mon avis, ils décident de partir sur un plan de jeu... il décide ça, il le met en place et il applique. Mais après, il le change à la 60e. Ouais, mais Nsimba et Bokele, ils sont performants dans ce couloir quand tu les trouves lancés, pas quand tu les trouves déjà dans les 30 derniers mètres. Donc, c'est trop haut et c'est pas construit. Parce que dans ce cas-là, si tu veux faire ça, il n'y a pas de souci, mais tu aspires les Nîmois, tu les fais venir, donc tu fais tourner vite le ballon entre tes arrières et tes milieux pour qu'à un moment donné, et c'est là où c'est le vite qui est important dans ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que tu le fais tourner vite et pas avec Franck Sergio qui, avec toute son élégance, te fait des transversales de 40 mètres en cloche, donc avec zéro intensité. Donc, alors, autant te dire que le bloc Nîmois, il regarde le ballon. Pourtant, il met quand même de bons ballons. Moi, je trouve que il a ses défauts, il donne un ballon de but à Il donne deux ballons de but. Et il y en a un deuxième à Bakwa. Oui, oui, mais... Alors, il a des défauts, certes, mais il donne quand même deux très bons ballons. Ah, moi, je trouve que ça n'a pas été le plus mauvais. Hein.
Ah non, 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 ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Un Sergio. Mais bon. Après, ce qu'il faut aussi souligner, c'est aussi le travail défensif du Nîmes Olympique. Hein. De voir Pagis autant défendre et bien défendre, ils ont quand même bien coupé les latéraux. Hein. Mais c'était prévisible. C'est ça que je trouve. Bien sûr, bien sûr, prévisible. Bien sûr. Mais ils l'ont bien préparé, en tout cas. Et c'est vrai qu'on a revu Simba, moi je l'ai vu les 20 dernières minutes. Les 20 dernières minutes, ouais. Il a pu s'entraîner, il a pu être plus présent. Effectivement, l'entrée de Badji a tout changé. Mais ça, on s'en doutait. Après, David Guillon, enfin, on va pas l'inventer au bout de la 28e journée. Hein. Regardez quand je clique sur l'application là de SofaScore sur les changements. Donc, vous voyez l'organisation de jeu. Et avec les changements, donc l'équipe de fin, tu vois qu'on on désengorge on désengorge le milieu. Pour un peu aérer un peu plus le jeu. Quoi. Bah oui, parce que les Nîmois ont été obligés de reculer un milieu de terrain et donc laisser de l'espace pour jouer parce que Badji est rentré. Enfin, je veux dire, on n'a rien inventé, mais là aussi, là où je termine là-dessus sur Guillon, parce que j'ai déjà trop parlé là-dessus, ce qui me saoule aussi avec lui, c'est qu'il est toujours en train de les conforter, même quand c'est mauvais. C'est-à-dire que là, j'ai pas lu les réactions, je sais pas s'il a déjà réagi, mais je suis quasiment sûr qu'on va avoir en première mi-temps, on était bien en place, on a appliqué les consignes, on a fait ce qu'on voulait faire, pas assez vite, avec du déchet. Le problème, c'est de conforter les joueurs dans leur médiocrité. Et je trouve que trop peu souvent, il l'a fait une fois, je ne sais plus à quel match, où il avait dit qu'il n'était pas content. C'était Niort, je crois. Mais bon, en même temps, s'il avait été content après Niort, on l'aurait fusillé. Mais il est tout le temps en train de les conforter, même quand c'est médiocre. À un moment donné, il va falloir élever le niveau d'exigence de ce club en général. Ça part du président, et sans lui faire de reproches là, immédiat, mais ça part du président jusqu'à l'intendant, tout qui vous voulez. Il va falloir vouloir plus et surtout pas dire qu'on a fait une bonne première mi-temps ou qu'on était en place ou que personne, je ne sais quoi. Personne ne le dit, Patrick. Ah ben, Guillon, à tous les matchs, tu regarderas, il te dit, quand il a fait une mauvaise, on voit du peu d'intensité, il te dit les garçons étaient en place, les garçons ont appliqué les consignes, les garçons ont été disciplinés, on n'a pas concédé d'occasion. Mais on s'en fout, on veut du jeu, nous, on veut du jeu, on veut des résultats. Donc, on s'en fout, en place. Après, Patrick, du résultat, t'as gagné. Ouais, t'es deuxième. Non, mais... Voilà, t'es deuxième. Après, je pense que pour moi, c'est purement du management ce qu'il fait. Voilà, on est à 10 journées de la fin. C'est mauvais. Ouais, mais je pense pas que ce soit mauvais. Après, je suis pas fan de Guillon, attention, loin de là. Et je pense que si on monte en Ligue 1, il va falloir changer d'entraîneur. Ça regarde que moi. Mais là, à 10 journées de la fin, je pense pas. Je pense qu'au contraire, il faut concerner tout le monde. Moi, par exemple, l'entrée de Delorier Chauvet, ben pour moi, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire, mon garçon, voilà, on a 10 journées de la fin. J'aurais besoin de tout le monde. Donc le discours de dire ouais, un tel ou un tel n'ont pas été bons sur ce match-là, alors que tu prends 3 points, je pense pas que ça vaille le coup. Après, qu'il est bon en individuel. Vous avez raison là-dessus. On a des résultats, mais quand tu vois ce qu'on a gâché en refusant de jouer, parce que si on n'avait pas gâché la moitié, hein, c'est-à-dire que tu on sais va parler que... du but. Si tu on veux, va, je, on je... va parler du but. De... Alors attends, je coupe juste en du micro. Du but de la saison, pas, du but de Madja. Du but de Madja, parce qu'au moment où il marque, c'est la 81e, hein, je crois, ce but. Alors je crois que c'est un centre ou un ballon contré. C'est Pitou qui centre. C'est Pitou, qui centre. Il y a une première frappe de Madja qui est contrée et il la reprend alors qu'il est à terre. Hein. Ouais, il est à terre. Hein. Et il la reprend. Du pied gauche, sur le ralenti, je crois que c'est le pied gauche ou pied droit, je sais plus trop. Pied droit, un peu à l'extérieur. Droit, un peu de l'extérieur et il la met lucarne alors qu'il est à terre. C'est assez incroyable. Mathis, ce but, il sauve Bordeaux. Et comment tu as trouvé la prestation de Madja, Madja qui sauve Bordeaux mais Madja, un peu en demi-teinte quand même, puisque alors, présent dans les courses tout le temps, en train de décrocher, à essayer d'apporter quelque chose, un petit plus au milieu. Quand même, ça, c'est à son actif. Après, bon, forcément, et heureusement qu'il la met quand même, parce que sinon, avec la balle d'ouverture du score qu'il a sur le décalage de Zurico, où il tente son petit lob du gardien pas assez appuyé. Bon, après, il en a mis, il nous en a sauvé plusieurs fois, donc il peut aussi louper. Il peut louper, et puis au final, il se rattrape, il marque le but de la victoire. Donc ça lui enlèvera certainement certaines critiques qu'il aurait pu avoir sur cette frappe-là. Après, voilà, ce qu'on voit clairement, c'est que le mec, il n'a pas lâché. Quoi. Mentalement, il a aussi loupé d'autres actions dans le match. Il vient de se louper une frappe. Il y en aurait eu d'autres attaquants l'année dernière qui n'auraient pas fait l'effort de se faire simplement
se tourner comme il le fait, parce qu'il est, quand il tombe au sol, il est de l'autre côté, il est pêche face au but, il se tourne rapidement quand il va vouloir arriver, et puis il met sa frappe, il lâche pas en fait. Et ça, c'est tout à son crédit, parce que je suis pas sûr que l'année dernière, un Niang ou des trucs comme ça, ils auraient pas juste regardé le ballon en se disant « putain quoi ». Et ça, je trouve qu'on peut pas lui enlever à Josh. Et puis sur le but quand même, pour revenir, si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas tout en tête, mais il me semble que ça part d'un bon pressing de Pitou encore, je crois, sur le... C'est sur un centre de la gauche de Pitou, je suis en train de le regarder là. Il me semble qu'encore avant, il commence à faire le pressing parce que justement, Nîmes commence à jouer un peu vers l'arrière avec leur gardien qui commence à gagner du temps au sol, machin. Et donc Pitou lâche pas, il rentre, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le plus physique, mais il a l'agressivité, il récupère ça, il tente son centre, Maja fait un contrôle un petit peu avec de la réussite, et puis après en deux temps ça rentre, et franchement c'est à l'arrache, mais moi quand il met son but, je me lève et je fais putain quoi, là c'est le moment où je vis dans le match, après 60 minutes de bouillie quoi, et franchement rien que pour cette émotion là, ben, je le remercie, et en plus ça donne les 3 points, et quand moi je regardais mon téléphone, à partir du moment où j'ai vu que Metz ne s'était pas passé devant, directement c'est les Inoirs, c'est ça y est, on est 3e, on remontera plus jamais sur le podium, et c'est vrai que ça redonne quand même du tonus, et puis ça donne envie de garder l'espoir, et ça peut être pourquoi pas le début d'une série. Après, faut mettre les suivants, quoi. Faut moins mettre sur toutes les occasions qu'on a ensuite, 1-2-0. Regardez le but, c'est foutre roumain là. C'est Pitou qui centre, donc il la prend, il s'arrache. Hein. Tu vois, là, il se... Et là, parfait. Quand même, il a le. Ouais. Il ne lâche pas le ballon des yeux, Josh Majard. C'est du talent. Hop. Coup, là, c'est du talent. Ah, mais... ouais. En plus, entre deux défenseurs, ouais. C'est du... il faut vraiment du talent pour le mettre. Donc voilà. Et ça, on sait que devant le but, Maja, en général, c'est propre. À part son piqué là, dégueulasse qu'il a fait, devant le but, c'est son point fort, hein, Josh. Et on peut saluer Gino et sa chanson comme un but de Maja. Il l'avait dit avant le match qu'il marquerait ce soir. Vous savez depuis quand il n'avait pas marqué, Josh Maja? 13 janvier, 19 janvier ou un truc comme ça. C'est janvier en tout cas. Ouais. Et c'était contre qui? C'était à domicile. C'était pas Amiens? Non. Je sais plus. C'est ça. C'est ça, à partout. Et la dernière défaite des Girondins, vous vous souvenez quand c'était? Niort. Ouais, Niort, 3-1. Ouais. Exactement. Bon, voilà, c'était des petits tests comme ça. Je vous pose des questions. ça me permet de. ça me permet de réviser aussi en même temps avec vous, parce qu'il y a tellement de matchs, ça s'enchaîne tellement, on ne sait plus où on en est à force. En tout cas, ça me le fait parfois. Bon, je vous remontre, puisqu'on parle de Maja, le buteur. Est-ce que vous savez, c'est son combien de buts ce soir en Ligue 2? 12e, je crois. 12e, ouais. Si on se trompe sur le chat, vous n'hésitez pas à nous le dire. Préviens-nous s'il y a des QCM et tout ça, parce que moi, j'ai pas révisé. Je suis arrivé comme au bac, là. Allez-y, likez, hein, partagez. Likez-moi cette vidéo sur YouTube, là, les amis. On est 400 connectés. Envoyez-moi du like, vous savez que ça nous aide. Et devenez sociaux si vous le pouvez. Allez-y. Josh Maja envoie ses occasions. Une à la 51e, une frappe. Qui est passé à côté, une à la 66e qui est cadrée, à la 81e il en a une première, la deuxième c'est ce qu'on voit, c'est le ballon dans la lucarne, et à la 84e c'est cette reprise qui fait suite à l'action de Delaurier Chaubet, je crois que le ballon revient dans l'axe, il la reprend. Voilà, donc bon, c'est un match plein, moi je trouve, pour le joueur qui a une... Il n'y a pas une si bonne note que ça quand même, avec toutes les occasions qu'ils ont eues, la note statistique est... Ah oui, parce qu'il lui attribue 3 occasions manquées, hein, quand même. Ouais, match plein. Regardez. Ouais, match plein parce qu'il nous fait gagner, il marque quoi. Après, il y a très bon gardien en face ce soir. Franchement, Maraval a été bon. Hein. Bien sûr. Voilà. Messieurs, vous voulez rajouter quelque chose, Baroudi ou Alex, sur Maja? Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur lui? Vas-y, Baroudi, vas-y. Attends, je te le remets le micro, tu n'y arrives pas. Hop, voilà, c'est bon. Ben, Maja, moi je pense que c'est bon pour son moral en fait, tout simplement. Après effectivement, il a pas été exceptionnel sur ce match, mais c'est un buteur. Donc il marque le but qui nous fait gagner 3 points. On est sur les 10 derniers matchs. Je pense que moralement ça va vraiment lui faire du bien. Après on le connaît, c'est un professionnel, donc moi je suis pas inquiet pour qu'il nous remette une série, quoi. Vous l'avez vu à la fin du match, l'interview? Il est d'un calme incroyable. Il est vraiment cool, hein, en termes de... Ah, il nous fait du bien, moi j'adore ce joueur. Ouais. Il a une très bonne mentalité. Et il a ciré le banc pendant 2-3 matchs là, dernièrement, mais ce n'est pas pour autant qu'il lâche l'affaire, quoi. Il va au combat, il est généreux dans l'effort, dans ses courses. Moi je trouve exemplaire dans sa mentalité.
Si je peux permettre, dans le chat, là, ça, quelqu'un demandait combien de buts, surtout sur penalty pour Maja. Moi, j'ai envie de dire combien de loupés, mais je crois que c'est zéro. C'est surtout ça, il me semble qu'il ou pas beaucoup, s'il y en a loupé un, je suis même pas sûr cette saison. Tout ce qu'il tire, il les met. Et c'est précieux quand même, parce qu'à chaque fois, c'est des buts. Alors, les penalty, il y a faute ou pas, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il les a, pour le moment, ça va au fond. Et franchement, c'est des buts qui sont super précieux, que ce soit dans le jeu ou sur penalty. Et franchement, c'est un vrai neuf, quoi. Et tu as raison, Mathis, de le préciser, parce que c'est souvent on dévalorise ça, le buteur sur penalty. Faut pas oublier que pour obtenir un penalty, il faut être dans la surface de réparation. Quand tu es dans la surface de réparation, en général, c'est que tu es dangereux, notamment si le défenseur fait une faute, c'est qu'il est, déjà en danger et en grand danger. Donc, c'est pas parce que Maja a mis 5 penalty que Maja n'aurait pas mis peut-être 3 buts de plus s'il y avait eu l'action qui avait été au bout. Donc ne dévalorisons pas les pénaltys. C'est encore une fois, pour avoir un pénalty, il faut être dans la surface. Donc après, oui, c'est plus facile de mettre un pénalty qu'une frappe de 30 mètres. Hein. On est tous conscients. Mais il faut les mettre. Poussin a fait le taf, nous dit Victor sur le chat. Merci, oui. Victor. Donc j'ai affiché sa carte. C'est vrai qu'il faut le dire. Il fait 2 arrêts importants dans le match. En premier temps, surtout. Ouais. Jeu au pied aussi, plus intéressant que d'habitude par rapport au dernier match. Il a un jeu au pied qui est plus précis. Je ne sais pas si vous voulez commenter, messieurs. Je vous donne la parole. Moi, j'aime bien le fait qu'en fin de match, quand l'équipe essaie d'aller chercher le 2-0, il monte pas mal pour vraiment empêcher le bloc nîmois de remonter et être un petit peu le dernier défenseur à la place du dernier défenseur. Donc, comme il n'y a pas eu de boulette au pied et que ça s'est bien passé, c'est vrai que ça nous a permis en tout cas de les empêcher de respirer un peu plus. Ah. Alexis Pitou, non, je ne sais pas, il y a un joueur dont vous voulez parler, parce que finalement, on a déjà abordé pas mal de thèmes. Pitou qui est rentré cette fois-ci, qui a joué 23 minutes, il avait une moyenne de 17 minutes, et il a joué 6 minutes de plus, et on a vu un joueur qui a pris le jeu à son compte, qui n'a pas eu peur du tout. Hein. Je ne sais pas qui souhaite commencer, Baroudi, tiens, vas-y, je te donne la parole en premier. Mais je pense qu'il faut sincèrement se poser la question sur Dylan Bakwa, en fait, quand on voit la rentrée de Pitou. Je trouve que c'est un super joueur, Bakwa, mais aujourd'hui, on a quand même du potentiel sur le banc, et Pitou nous a montré qu'on pouvait compter sur lui, qu'il est en train de s'acclimater de mieux en mieux, et je comprends. Moi, je pensais sincèrement qu'il allait tenter un coup et le mettre titulaire ce soir, et il n'aurait pas démérité. Mais honnêtement, le match qu'il fait, l'entrée qu'il fait, c'est plutôt encourageant, donc... Ah, moi, j'ai adoré et je pense que plus ça va aller, plus il va monter crescendo. Et est-ce qu'il prépare pour la Ligue 1 l'année prochaine, si on y est, peut-être, mais je pense qu'il faut aussi s'en servir sincèrement pour pouvoir penser à la montée aussi. Patrick, totalement. Pitou. Je suis comme Baroudi, on se rejoint sur beaucoup de points ce soir, Baroudi, mais c'est pour moi, il fallait le titulariser justement dans un 4-2-3-1. Avec dans un rôle de numéro 10 ou de 9 et demi comme on veut pour justement éclairer le jeu par de la passe. Alors après, c'est facile à dire après, ça j'en suis conscient, mais pour moi c'était la bonne solution pour justement empêcher les Nîmois de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui et ça aurait pu apporter un peu plus. Après il rentre, il est bon, donc on va dire que c'est un bon coaching puisque pour le coup il a vraiment su prendre des risques et des bonnes initiatives. Donc moi j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Bakwa, du déchet, on le sait, avec Dylan Bakwa. Alors j'ai vu que l'entreprise pour rétablir Dylan Bakwa était en cours au club. Oui, il a fait 5 buts, 5 passes décisives, mais on voit aussi un énorme déchet dans son jeu. 60% de passes ratées ce soir. Voilà, moi je préférais qu'il soit dans le dribble raté, parce que là je me dirais ok, il est en train de provoquer, que dans la passe. La passe, on n'a pas le droit d'être à 60% de passe, sauf si on parle que de percussion, centre, percussion, centre, et donc là on pourrait contrer qu'il ait des passes ratées. C'est pas le cas. Je suis très déçu de plus en plus de Dylan Bakwa, notamment de son attitude par moment à toujours tomber. Tous les arbitres ont compris qu'il était... Il était assez vite au sol, donc il le siffle plus, donc il va falloir qu'il le comprenne aussi. J'ai un peu plus aimé le match de Zourico, Davitashvili de l'autre côté, qui m'a paru un peu plus percutant, un peu plus dans la lignée de ce qu'il sait faire. Mais voilà, pour rester sur Pitou, moi j'ai beaucoup aimé, et j'espère qu'on va voir un peu plus ce garçon. Il n'est pas prêt, à mon avis, à jouer plus de 60 minutes s'il est titulaire.
Mais en tout cas, il doit pouvoir se montrer un peu plus. Et on a bien vu que c'est maintenant obligatoire qu'il rentre dans un match où on n'arrive pas à faire la différence, parce que lui est capable de le faire. Ouais, et puis tu le sentais tactiquement que dans cette rencontre, il fallait faire rentrer des joueurs de ballon comme Delorier Chaubet. Moi, je trouve qu'il fait une bonne rentrée. Hein. Alors certes, il rate son occasion. Et même Ignatenko fait une entrée plutôt intéressante. Oui, il fait une bonne entrée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, sur Pitou et aussi sur Delorier Chaubet. Bon, il a une grosse occasion, mais quelle activité, quoi. En quelques minutes, activité. Ouais. Bon, après, c'est vrai que Pitou aussi, bah, tu sens que c'est un jeune joueur, il pue le ballon, quoi. Il pue le foot. Tu sens que en deux touches de balle, il peut faire des étincelles, ce joueur. Mais c'est vrai que physiquement, tu sens que quand même, il est un peu en deçà. Ouais. Mais ça après, il va falloir qu'il s'aguerrisse. Il faut lui laisser le temps. Je pense que c'est un très bon espoir en devenir. Moi, j'ai aucun doute sur ses capacités techniques, déjà d'une part, et sa vision de jeu. Il a une vision de jeu que peu de joueurs ont aujourd'hui à Bordeaux, quoi. Donc ça, c'était pour Pitou. Après, Logan, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup aimé sa rentrée aussi, hein, dans les appels de balles. Après, s'il avait un petit peu plus de lucidité, pas forcément, parce que moi, son action ratée, ou du moins quand il bute sur le gardien, sur sa frappe, où il ne voit pas Badji, je me dis que ben là, il voulait peut-être un peu plus se montrer aussi, donc, parce que ça fait quelques matchs où il ne joue pas, et il a voulu faire l'effort et montrer qu'il pouvait être décisif aussi. Mais il est jeune aussi, je pense que s'il a des cas à Badji, je pense que le staff en aurait été d'autant plus content et il aurait peut-être un peu plus récompensé. Mais après, moi, c'est ces joueurs créatifs-là qui ont vraiment dynamité le jeu. Et on en avait besoin. À ce moment-là, on en avait besoin. Tu voyais que depuis 60 minutes, on était à la peine, on n'y arrivait pas, on butait sur cette défense et il fallait absolument dynamiter ce jeu, quoi. Et c'est ce genre de joueur où même t'aurais mis un Pieringuel, ça aurait été pareil. Tu mettais Pieringuel à la place de Logan, je pense que il n'aurait pas fait tâche à la place de Dylan, hein, franchement. Non, moi j'ai beaucoup aimé la rentrée des deux. Même Ignatenko, il n'a pas fait un mauvais match, finalement. Il y a Mohamed qui dit, Patrick, quand il parle, on dirait Zidane. Ouais, c'est le Zidane. C'est Enzo Zidane dont il parle. C'est le Zidane des micros, Patrick. Enzo Zidane, je pense, plus. Mais... Non, bon, on le savait, on en avait parlé, que les jeunes auraient leur mot à leur mot. C'est pas le bon mot, justement. Auraient leur cartes à jouer et que ça serait grâce à eux, grâce à ces joueurs frais, qu'on pourrait atteindre l'objectif sur la fin de saison pour amener ce que les autres ne pourront plus amener, finalement, parce qu'ils seront cramés peut-être mentalement et aussi physiquement. On voit que les deux, là, l'ont fait. Mathis, tu veux dire un mot ou tu as déjà tout dit sur... Ouais, moi, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur Dylan Bakwa. Alors, je vous promets à dire que, surtout au niveau du jeu vers l'avant, là, il y avait un déchet complètement, un peu trop élevé à mon goût, et puis frustrant, quoi, parce que ça permettait à beaucoup à Nîmes en première période, surtout, de partir en contre-attaque et d'être dangereux. Mais quand même, alors, j'étais pas au stade là, donc j'ai pas pu le voir. Et puis Nîmes jouant beaucoup vers l'arrière, c'est vrai qu'on jouait moins dans les espaces, mais je me rappelle contre Saint-Etienne, par exemple, moi, où j'étais au stade, alors Bakwa a loupé aussi pas mal de choses, même s'il a été beaucoup plus percutant. Par contre, ce qui était assez hallucinant, vu du stade, c'est l'espace, quoi. Le mec était seul tout, il était tout seul, il avait, avec un peu plus de technique, avec un peu plus de je sais pas ce qui lui manque à Bakwa pour être peut-être un plus une machine, mais franchement, il arrive à se placer, moi je trouve, d'une manière toujours intéressante quand il a de l'espace, et à faire des bons appels, pas toujours service, qu'on voit pas toujours à la télé aussi. C'est pour ça que s'il y avait des gens du stade, peut-être qu'ils l'ont vu sur ce match, je pense pas, parce que bon, effectivement c'était un peu difficile de trouver de l'espace, mais il faut pas lui enlever aussi, et je pense que peut-être que c'est aussi un déclic ou une série qu'il faudrait qu'il enclenche sur ce genre de match là, où il y a un peu plus d'espace derrière pour gagner en confiance et puis être un peu plus efficace. Après, cela dit, dans l'état actuel des choses, moi je suis d'accord avec vous, Pitou il m'a fait une très forte impression, j'ai envie de le voir plus et de voir ce qu'il donne sur un match en tant que titulaire, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant qu'on a vu ça, moi j'ai un peu l'eau à la bouche, et puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va évoluer ce petit Alexis. Allez, la réaction de Malcolm Bokele, c'était sur le Twitter du club, on va l'écouter ensemble. Vous entendez le son ou pas? Ouais, vous l'avez entendu, ouais. Le son? Allez, je vous passe la réaction. Bah ouais, c'était une victoire qui était vraiment importante après deux matchs nuls. Deux matchs nuls où on pouvait ramener les trois points. On a pu que ramener un point à chaque match. Et là, je pense qu'il fallait bonifier ces matchs nuls avec une victoire aujourd'hui face à Nîmes.
Normal. j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que je pouvais mieux faire comme sur chaque match, mais je suis là pour progresser. Je suis encore jeune et j'espère faire mieux sur les prochaines échéances. Bah ouais, c'était une victoire qui était vraiment importante. Bon, voilà. Oui, je l'aime beaucoup. Messieurs, une petite réaction à la réaction de Malcolm, son match. Rudy, tu veux en parler de son match, je te remets ton micro. Hop, vas-y. Alors, déjà, excusez-moi, j'ai un premier téléphone, c'est pour ça que ça a coupé tout à l'heure. T'inquiète pas. Bokele, très bon. Bokele. Après, ce que je lui reproche un peu sur ce match, il a un peu joué un peu trop souvent en arrière, mais pouvait-on lui reprocher? Après, voilà, l'arrière droit des Girondins, on l'a jusqu'à la fin de la saison. Donc, un match correct. Ça n'a pas été non plus le meilleur, mais aujourd'hui, on peut se dire qu'on a deux très bons latéraux. Et ce qu'on ne souligne pas assez, je vais aussi y revenir, on a quand même une très bonne défense. Moi, quand je vois Grégaire Saint-Barbé, le match qu'il fait encore aujourd'hui, oui, on est peut-être pas la meilleure équipe, mais on est armé avec cette défense-là. On est armé pour se battre jusqu'au bout et ça va être des matchs compliqués et mentalement et physiquement avec les joueurs qu'on a surtout derrière. Je pense qu'on va pouvoir avoir les armes pour aller, j'espère, aller au bout. Voilà, mais Bokele, fidèle à lui-même. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose sur la défense d'une manière plus large et sur J'ai Bokele, adoré le ciseau de Grégersen. Longtemps qu'on n'avait pas vu un ciseau au Girondin, donc j'ai bien aimé. Il était très mais efficace surtout. En plus, le geste et l'efficacité. Non, c'est vrai que honnêtement, bon, alors moi, peut-être parce que je suis supporter, je me rends pas compte, mais j'ai toujours les genoux qui tremblent quand on attaque face à nous parce que je vis le match à fond, peut-être un peu trop. Donc j'ai tendance à me dire putain, mais pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça. J'ai un peu de mal à être toujours très lucide sur la défense des Girondins, mais c'est vrai que bon, mais clean sheet, ça fait du bien, on revient, et puis on a des mecs qui sont hyper concernés, qui se battent, que ce soit offensivement, même la montée de Grégersen en première mi-temps, tout début de match, qui se dépasse en fonction, il se retrouve dans la surface de réparation, il va gratter un coup franc, et à côté de ça, il va faire son ciseau décisif aussi en défense, Bokele pareil, il se retrouve à un moment à se gêner un peu avec Maja pour mettre une tête dans la surface, alors que le mec est latéral droit. J'adore cet état d'esprit-là, ce dépassement de fonction, et tous ont l'état d'esprit qu'il faut pour pousser les jeux vers l'avant, et c'est sûr que c'est peut-être notre meilleur atout d'ailleurs cette saison. Messieurs, j'ai une question, alors on la pose à Patrick pour voir s'il a révisé. Patrick, le dernier clean sheet des Girondins, c'était quand? Ça sent zéro là. Allez. Non. Ah, tout comme tu es le Zizou. Ouais, non, mais je suis le Zizou. Je suis. Non, dernier... non, je sais pas. Bon, qui c'est qui peut l'aider? Dernier clean sheet. Apo. Ouais. Apo. Ah ouais, punaise. Robin Rodier. Oh. Ah. Bien joué. Bien joué, bien joué à Gérard Mentor aussi. Ouais, elle avait raison. Voilà, exactement. Vas-y, là, j'ai rarement tort. Ce qui est important aussi, Nico, c'est qu'il faut souligner que ça fait combien de matchs d'affilée que Bordeaux marque un but, au minimum. Ça fait beaucoup. On marque à tous les matchs. On marque pratiquement à tous les matchs. Hein. Eh bien, écoute, je suis en train, là, j'ai le calendrier, je suis en train de regarder. Ça doit être Le Havre là-bas. Le Havre, on a marqué au Havre là-bas. Ouais. Non, on avait fait 1-0, on avait perdu 1-0. Oui. On avait perdu 1-0. Le dernier match où on n'a pas marqué, c'est le 26 décembre au Havre. Bravo. Au moins ça déjà. Bravo, moi, je garde toujours le négatif, pas le positif. Bravo, ouais. Patrick. Je suis désolé, les gars. Moi, j'ai pas quand est-ce qu'on a fait un clean sheet, j'ai quand est-ce qu'on a pris un pas mis un pion. Je suis désolé. Je m'aperçois de toutes mes lacunes et de tous mes défauts avec vous. Merci pour cette thérapie. Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'on a tout dit, on est content, Bordeaux a gagné, on a analysé, on a déjà, vous avez dit pas mal de choses, messieurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de dire avant de terminer ce débrief? Sur la défense en général, je trouve que c'est notre point fort, je suis d'accord avec vous, mais c'est surtout qu'en fait, cette défense n'est jamais nulle. En fait, tu as toujours un plafond limite. C'est-à-dire que Bokele, aujourd'hui, vous l'avez effleuré là-dessus, mais n'a pas fait un grand match. Par contre, dans l'intensité, il est là. Dans l'envie, il est là. La mentalité, voilà, la générosité, tout ça. Et Grégersen, c'est pareil. C'est-à-dire même quand ce n'est pas exceptionnel, il est au moins dans ses duels, il gagne ses duels, il est propre et terminé. Johan Barbé, je suis dans la même lignée, il a fait des grands matchs. En fait, on a le plafond bas de cette défense est déjà très haut, très largement supérieur à la Ligue 2.
C'est une défense qui peut voyager en Ligue 1, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je suis, ça c'est un très gros motif de satisfaction, c'est de se dire que cette défense-là n'est jamais nulle en fait. Elle fait des erreurs, etc., mais elle n'est jamais nulle. Si toutes les lignes et la ligne juste au-dessus pouvaient s'en inspirer, c'est-à-dire avoir un plafond bas qui soit supérieur à la moyenne, on gagnerait beaucoup plus de matchs et on ferait moins de matchs nuls. Messieurs, est-ce que vous voulez, Mathis, tu veux ajouter quelque chose? Je vous donne chacun une dernière fois la parole. Quand même, pour finir sur une note positive, parce qu'on a quand même gagné et qu'on a fini sur une note positive avec 10 dernières minutes, on était beaucoup plus offensif. Mais j'espère qu'on va enclencher une série contre. C'est Guingamp, je crois, le prochain match, donc contre Guingamp. Le 3 avril. Et lundi soir. Ah oui, donc il y a une trêve, c'est ça? Il y a 15 jours. Ouais, il y a. Ouais, donc. Qu'on bosse bien et puis qu'on revienne pour la dernière ligne droite, en tout cas pour une des dernières lignes droites, avec les armes, parce que franchement, moi j'y crois encore et j'y croirai toujours. Et franchement, quand je vois comment j'ai crié, j'ai réveillé tout le monde, tous mes voisins sur le but de Maja, alors que qui veut mettre encore plus de buts, quoi, que je réveille tout le quartier. Exactement, oui. Alors pour vous dire, il y a une trêve, on reprend le 3 et après il n'y a plus de trêve. On joue jusqu'au jusqu'à début juin. Après il n'y a plus de trêve, on enchaîne les matchs. Donc c'est la dernière, vraiment la dernière ligne droite. Alex, est-ce que tu veux dire un dernier mot dans ce débrief? Oui, écoute, c'est vrai que je vais revenir un petit peu sur la défense. Moi, je suis déjà rassuré en fait par cette ligne de 4. Ce sont des vrais guerriers, que ce soit Greg Arsène, Bokele, Nsimba et Barbé. Les 4 là, moi, je suis vraiment fan de cette défense. Et comme l'a bien souligné Patrick, je pense que c'est une défense qui a largement sa place en Ligue 1. Après, pour un point de vue global, pour conclure un peu sur ce match, je me suis quand même fait peur. J'étais inquiet en fait. J'étais inquiet de savoir si on allait enfin arriver à débloquer ce match. Et j'attends beaucoup des jeunes et de Guillon sur ces derniers matchs. J'aimerais qu'il soit un peu moins frileux. C'est vrai que Guillon, ça a toujours été un frileux, mais j'aimerais qu'il soit un petit peu plus ambitieux, notamment dans sa dernière ligne droite, parce que nos concurrents directs, eux, le seront, je pense. J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'ambition. Même si dans le jeu, on n'y arrivera pas, parce que il va y avoir toujours des éléments un peu défaillants dans notre milieu de terrain, mais j'y crois. J'y crois, il faut se donner les moyens après d'y arriver, quoi. Et je pense qu'avec ces jeunes joueurs qu'on a la chance d'avoir et qu'on a pu sortir du centre de formation, on est en train de s'appuyer là-dessus depuis le début de la saison. Je pense à Bakwa, à Manga, à Bokele, ces jeunes joueurs qu'on a sortis de nulle part, qui jouent en N3 l'année dernière quand même. Et bien, mine de rien, on est quand même second à ce jour, et c'est pas rien. C'est pas rien, donc il y a moyen d'y croire, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Et ça, malheureusement, je pense qu'il n'y a que le staff aujourd'hui qui a ces clés-là. Mais c'est vrai que je reste un petit peu dubitatif quand je vois les entames de matchs qu'on a fait ces trois derniers matchs, hein, que ce soit Saint-Etienne, Sochaux ou aujourd'hui. La lecture d'avant-match de Guillon me laisse un petit peu perplexe. Après, je souligne quand même qu'il sait réagir depuis 3 matchs. Et dans le bon sens, c'est bien. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Nirvana 26, à Christian, à Manu et à Seb et à Ardav, les nouveaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous souhaitez devenir sociaux, je vous mets le lien sur le chat. Venez, on a besoin de votre soutien. Rejoignez-nous sur le Discord, vous verrez, la communauté est super sympa. Je vous suis en train de vous écrire en direct le lien pour pouvoir nous rejoindre. Baroudi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Et avant de te donner la parole, je viens de voir qu'il n'y a que 130 likes, là, les amis, on est 400 connectés. Envoyez-moi du like, il faudrait que ça monte au moins à 200, là, avant qu'on rende l'antenne chez vous. Allez-y. À vous Baroudi. Oui, j'allais penser, j'ai dit je ne le dis pas, parce que ça va faire un truc de vieux, je ne le dis pas, je me suis retenu. Bon, merci, tu as dit à ma place. Baroudi, qui est plus jeune que nous, Patrick? Oh, je ne sais pas. J'ai 42 ans. Hein. Ouais, bon, on est même à l'âge de Patrick, alors. C'est moi qui suis. Alors, moi, j'invite, je rejoins tout ce que vous venez de dire. Et surtout, moi, j'invite qu'on ferme la bouche aux médias. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une envie folle quand je vois les médias que Metz remonte à Ligue 1. J'ai l'impression que Metz est meilleur que tout le monde.
Quand j'écoute un peu à droite à gauche, oui, Metz est favori, Metz a le meilleur groupe, a une meilleure équipe. Moi, ce que je regarde, c'est qu'on était quand même au fond du gouffre à l'été 2022. Aujourd'hui, on est deuxième. Quand je nous écoute toutes les semaines, on est quand même des supporters hyper exigeants, mais ça, c'est l'ADN des Girondins, on ne nous changera pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous reste 10 journées. Cette trêve va nous faire du bien. Et ces 10 journées, il faut qu'on soit derrière eux, quoi. Faut pas qu'on lâche. Il y a vraiment un potentiel pour remonter en Ligue 1. On a l'effectif. Le calendrier me fait pas plus peur que ça. Effectivement, on a un déplacement à Metz. Mais après, je pense que tout est jouable. Et voilà. Il doit y avoir un vrai engouement sur ces 10 derniers matchs. Que ce soit au niveau de du poste de télévision pour ceux qui sont loin comme moi, et même Du stade. voilà, au stade, voilà, il faut être derrière eux, quoi. Aujourd'hui, il faut être derrière eux et faire voilà, et dire aux médias, ben voilà, on est les Girondins de Bordeaux et on n'a rien à foutre en Ligue 2, quoi. Excusez-moi le terme, mais c'est une vérité, quoi. Ouais, et c'est vrai que moi j'ai le ressenti cette semaine. Tu as l'impression, bon, au niveau du championnat, c'est normal, hein, toutes les équipes nous chassent. Hein. On est l'équipe qui est chassée, quoi, par tous les autres clubs de Ligue 2 qui sont derrière nous. On est un peu l'équipe à battre cette saison. Quand ils jouent contre nous, ils donnent tout. Mais on est toujours là. N'en déplaise ceux qui aimeraient passer devant Bordeaux au classement. Et ça, je le ressens un petit peu, moi, sans être dans les tous contre nous, ils ne sont pas contre nous, Non, mais on a l'impression que Metz, c'est la super équipe du championnat, quoi. Non, mais ils sont sur une très grosse dynamique. Moi, je discute avec des personnes qui suivent très près le FC Metz et ils sont sur une grosse dynamique. Vraiment, Mais comme l'a eu Sochaux, il y a plus que quelques journées de Sochaux, ça. mais on voit que Sochaux, finalement, résiste aussi, hein, et ils sont toujours là. Donc voilà. Et sur le public exigeant, j'ai envie de rajouter un mot. Tu as raison, et on a vu que le public, je trouve, depuis au moins 5-6 matchs, le stade, alors moi j'y suis pas au stade, mais on me le raconte et on le voit à la télé. Malheureusement, je ne peux pas y aller comme je fais les émissions. Le stade donne son avis. Les supporters donnent leur avis et ils n'hésitent pas à siffler le joueur, comme ça s'est malheureusement ou heureusement toujours fait à Bordeaux. Moi, je m'en reviens à l'Escure. Quand les joueurs ne plaisaient pas, ben, ça sortait sous la branca. J'ai jamais trop apprécié ça. Et bien là, tu vois que Michelin, ben, il rentre, c'est sifflé. Hein. Tu vois que Franck Sergio, il sort, c'est sifflé. Ça prouve que Et les puis joueurs, le ils doivent capot, peut-être. si Il y je a peux un me peu permettre, d'exigence. C'est Nico. un peu d'exigence, quoi. Pardon? Oui? Sinon, je disais, Mais si je peux me moi. permettre, parce que j'étais au match, excuse-moi, Bordy, j'étais au match contre Paris FC et un des capos a pris la parole et a demandé à Johan Barbet de venir donc aux abords du Virage Sud. Et il lui a très clairement expliqué qu'il ne fêterait plus de victoire en fin de match avec les joueurs tant qu'il ne verrait pas d'intensité, d'intention de jeu jusqu'à la fin de la saison. Ah, d'accord, je savais Qui pas. serait quand même derrière eux, mais qui ne D'accord. vous souhaitait plus, en fait, fêter les victoires, même les C'était les victoires à victoires de domicile. manière peut-être trop importante, comme Comme ça ça avait l'a été été fêté en sur le début de début du saison, championnat. absolument. D'accord. Oh, ça montait de l'exigence. Ouais, Au pur Baroudi, tu sang, voulais ajouter exactement. quelque chose sur l'exigence du public? Mais après, on est comme ça. Moi, ça fait j'ai 42 ans, ça fait 35 ans que je suis supporter des Girondins. On a toujours été comme ça, les Girondins. Moi, j'habite, comme je dis, dans le Gard, donc je suis entouré de supporters marseillais. Pratiquement tous mes amis sont marseillais. Quand je leur dis, on est second, tout le monde me dit, oh, mais c'est bon, vous allez remonter. Pas d'inquiétude, vous êtes les Girondins. Ouais. Mais quand on voit le niveau de jeu depuis le début de la saison, et qu'on leur fait comprendre qu'on n'est pas une aussi bonne équipe que tout le monde le pense, ils ont du mal à le comprendre. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on redescende sur Terre. Moi, tout ce que je regarde sur les 10 derniers matchs, c'est les résultats. Après, ben, si c'est pas beau au niveau du contenu, je m'en fous. Je veux monter en Ligue 1. Après, on verra l'année prochaine. Et de toute façon, le contenu, un bon contenu, tu as plus de chances avec un bon contenu, que ce soit tactique, que ce soit dans l'envie, que ce soit dans le jeu, d'atteindre ton objectif. Même si, bon, des fois, tu peux gagner en faisant des hold-up, mais c'est pas à chaque fois. Des Et fois. tout jouer sur la détermination, c'est usant pour les joueurs. Tout jouer sur l'envie, la détermination, tu peux pas tenir une saison sur l'envie, la détermination. Les mecs, ils vont finir sur les rotules, même s'il faut en avoir. Tout à fait. Tu vas ajouter quelque chose sur le public, Patrick? Parce que toi, tu vas au stade, sauf ce soir où tu n'y étais pas. Donc, tu connais très, très bien l'ambiance. Tu le ressens, ça, un peu, le retour un peu de l'exigence du public ou pas? Oui, bien sûr, mais il a Ou toujours c'est été. une vue d'esprit Non, que je non, suis en non. train d'exprimer?
Non, non, mais on l'avait dit d'ailleurs, il y a eu un moment, il y avait un espèce de blanc-seing quoi qui faisait, et c'était normal d'ailleurs sur certains matchs, je pense à Guingamp notamment, où l'équipe était encore jeune, etc. Puis ça a surfé un peu là-dessus, c'est-à-dire que tout le monde disait « Ah oui, mais ils sont jeunes, ah oui, mais d'où on revient, ah oui, mais il y a 6 mois on était mort, ah oui, mais ceci... » Et tout ça, maintenant, on veut plus l'entendre, et je pense qu'on a raison, il faut tourner la page de « il y a quelques mois, on était plus là », et il faut redevenir exigeant. Je vais pas rentrer sur un nouveau débat sur la direction, etc. Mais vraiment pas. Mais aujourd'hui, il faut retrouver de l'exigence parce que malgré tout, on est descendu en Ligue 2. On a eu des histoires assez glauques l'année dernière qui ont sali le club. Donc aujourd'hui, on a un peu redoré le blason avec la mentalité notamment des jeunes joueurs. Le public redevient exigeant. Bon, bah c'est bien si chacun retrouve sa place dans l'exigence et dans tout ce qui fait un club, c'est au top et j'espère qu'on va continuer comme ça et que les joueurs prendront part à cette exigence-là. Eh bien, parfait. Merci messieurs pour ce débrief de très grande qualité. Moi, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. Merci Mathis. On peut dire où on retrouve tes écrits ou pas? Oui, parler, si vous voulez. Pour, oui, bah, je bosse journaliste à la Dordogne Libre, donc un journal local autour de Périgueux. Donc tous mes amis voilà. De Dordogne et Périgourdin, n'hésitez pas, de toute façon vous connaissez, c'est un peu une institution dans le coin. C'est une institution là-bas. Donc, okay. donc voilà. Eh bien, merci Mathis d'avoir été avec nous. Alex, merci à toi merci de nous avoir rejoint. Merci Baroudi, merci Patrick Gomez, le Zidane des micros. Ça, je pense qu'il faut l'oublier assez vite quand même. Faut faire la coupe maintenant. Ouais, allez-y, on est à 175 likes à sur 200, YouTube. Merci. Patrick se rase le crâne. On avait dit à 200, à 200 Patrick se rase le crâne. Alors allez-y, il reste encore quelques minutes. Alors à 200, si on n'atteint pas les 200, je vous fais 1h30 sur les féminines et vous pouvez pas couper YouTube. Alors... Non, on va faire une émission spéciale sur les féminines. On est en train d'essayer de caler Patrick, ça. Patrick, si on monte à Ligue 1, tu te rases le crâne. Non, non, mais arrêtez avec vos conneries. Allez, Patrick. C'est un bruit. Moi, je sais pas combien de challenges en cours encore parce que je suis au rang des compagnies. Donc, j'ai des conneries qui arrivent avec moi. Il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Et il y en a une qui va arriver avec le handball, notamment avec Mérignac. Et ça va me tomber sur le coin de la tronche. Donc, j'ai encore avec Maël Garbino aussi les cheveux roses et compagnie. Non, c'est bon, stop. Ouais. Arrêtez. Foutez-moi la paix. Après les cheveux roses, bon, c'est peut-être. C'est ça. Donc, j'attends. Si vous voulez, on fera un truc pour la Ligue 1. On fera un truc. Il faut savoir que Patrick va voir tous les sports, hein, Bordeaux. Le ring hockey, le handball, le volleyball, tout. Non, mais le handball, venez parce que si elles se maintiennent, alors tu vois, on va le dire. J'ai fait un deal avec la capitaine. Si elles se maintiennent. Qui était venue dans une émission sur Web Girondin. Voilà, je vais rappeler son nom. Voilà, pardon, capitaine du handball, du Mérignac Handball. Et donc, j'ai fait un deal avec elle. On va faire très vite. Mais si en tout cas le hand se maintient, ce qui est bien parti, je donne le coup d'envoi d'un match. C'est génial. Mais je le donne en licorne. Ah, ok. Et c'est elle qui a filé le défi parce qu'à la base elles avaient 9 points, elles en ont récupéré 5 ou 4, pardon, et maintenant elles sont plus relégables. Donc venez à Coubertin, encouragez le handball et peut-être que vous verrez un jour apparaître une licorne. Je vais parler des patins exprès pour toi, Patrick. Là, ça donne envie de venir. Hein. Voilà, et là je suis allé voir le volley, j'ai pas de pari avec elle si elle monte en première division pour l'instant, donc tout va bien. Ouais. Allez, merci à toutes et tous. Merci messieurs pour ce bon moment. Passez une bonne nuit, une bonne journée si vous regardez ça dimanche ou lundi. On se retrouve lundi dans le Talk et d'autres émissions la semaine prochaine et sur Web Girondin avec toutes les réactions et analyses. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut. Boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Got all guys already scared, but I'm aware that you're special. So let me take you somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you.
teach you how to open up real nice, baby.